Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Angle. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une nouvelle série de documentaires consacrée à une classe de CM2 de l'école Charles Mermoud de Coumac. Figurez-vous que ces élèves ont participé et remporté entre 2013 et 2014 le concours Les Petits Artistes de la Mémoire, un concours organisé depuis 2006 par l'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre pour commémorer la Grande Guerre. Et il se trouve qu'à l'occasion du centenaire de ce premier conflit mondial, un représentant de la classe Romain Cossec et son professeur Marie-Claire Monet-Farah ont eu la chance de se rendre à Paris pour recevoir leur prix. Tout de suite, un petit retour en images sur ce voyage dans l'histoire. Après cela, je vous retrouverai avec mon invitée Marie-Claire Monet-Farah. Je m'appelle Victor Vess, j'ai 19 ans, j'ai une femme et 4 enfants, 3 garçons et une fille. J'habite à Coumac sur ma propriété, le Petit Néoui. Quand la guerre a été déclarée, départ de Coumac. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Tous les effets d'habillement demandés ne pouvant parvenir dans la colonie avant le départ du chantier. On doit partir avec le nécessaire et surtout une bonne paire de souliers. Quand je suis partie, ma sœur Adèle a fait le vœu d'installer une vierge dans la grotte près de chez moi si je revenais sauf de la guerre. Donc, l'embarquement, les Calédoniens ont formé 4 contingents vers la France. On va se récompenser pour avoir participé à un concours qui s'appelle Les Petits Artistes de la Mémoire. Et ça parle de la guerre. On a fait un livre sur un poilu de Calédonie qui vient de Coumac. Et il s'appelle Victor Vess. Donc. Pendant une semaine, déjà, on va aller à l'Élysée avec François Hollande. Donc, il va nous remettre le prix. Si on a gagné, content de représenter ma classe, partir en France. Oh tiens, Romain, t'as fait une fête. Merci, j'ai oublié le mien. Ah bah, ça alors bien. Pendant 3 jours, on part pour une semaine déjà, et pendant 3 jours, on sera pris en charge par l'Office national des anciens combattants. On sera logé de toutes les classes qui ont participé, les classes de métropole et de la France d'outre-mer également. On sera tous logés ensemble, et puis pendant 3 jours donc, et ensuite pendant les 2 derniers jours. De la semaine, c'est la Maison de la Calédonie qui nous prendra en charge. Donc elle a prévu un petit circuit touristique. Le circuit historique se fera avec l'Office national des anciens combattants. Et voilà, il y en a plein de choses à faire. Et d'ailleurs, le président de la République sera là pour la remise des prix. Salut mon cœur. Ah, mais ça vient ? Ah. Apprends bien. Ouais. Sage, hein. Profite. Bisous à la métropole de notre part. Ouais. On est arrivé au centre d'hébergement Kellermann. Donc là, on va devoir récupérer notre chambre, je pense. Ce matin, on s'est promené un peu et on est allé jusqu'à la Tour Eiffel. On est allé en métro, première fois que je prends le métro aussi. C'est impressionnant. Donc on est sorti du métro et tout de suite la Tour Eiffel. Je pensais qu'il fallait marcher un peu, qu'on allait la voir, je la cherchais. Puis quand on est sorti du métro, on est tombé dessus. Ah, ça a été un choc, mais ça a été une surprise, quoi, une grande surprise.
j'arrive à lire, exactement ce qui est écrit sur les immeubles. Alors bah, là, on est à la Tour Eiffel. On est monté en ascenseur et on est au deuxième étage. Et donc là, j'ai vu la tour de Montparnasse, les Invalides, l'école militaire, l'église du Sacré-Cœur, la Seine, les bateaux-mouches et tous les ponts qui traversaient la Seine. C'est très beau. On s'est approché, on a pris quelques photos. J'ai acheté quelques souvenirs sur place pour les élèves qui sont restés en Nouvelle-Calédonie. Des petits porte-clés. Des petits porte-clés de la Tour Eiffel. On est aux Invalides. Déjeuner dans les salons du gouverneur militaire de Paris. Ensuite, à 14h, on va au musée de l'armée. Et c'est cet après-midi, la remise des prix par le ministre des anciens combattants, Kader Arif. Ensuite, on a un cocktail. Donc, bienvenue ici sur le site des Invalides, qui a été construit par Louis XIV, à l'époque et à la fin surtout de la guerre de 30 ans, là où il souhaitait, honorer la mémoire de ses blessés et les remercier d'avoir combattu pour le royaume de France. Aujourd'hui, on est au musée de l'armée à Paris. Et donc, on voit le tombeau de Napoléon. Je suis contente parce que c'est très beau, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses, des statues, des tombeaux. Ah oui, c'était assez émouvant, surtout les documents historiques. Les documents historiques et puis surtout, alors le tombeau de Napoléon qu'on voit dans les livres, qu'on voit à la télé, qu'on a projeté quand on a fait l'histoire, la Première Guerre mondiale. L'histoire de Napoléon, on a projeté son tableau, mais là, de le voir, vraiment, j'ai pensé à mes élèves. Qu'on avait appris en histoire en cours. Et puis j'ai appris plein d'autres choses sur la guerre. Plus j'ai reçu plus de détails, je me suis plus informée. Des costumes, des casques, des armes, des canons, des chars et plein d'autres outils de guerre. Ma classe d'ailleurs qui était déjà venue dans ce musée, qu'il avait déjà vu. Mais il est magnifique. Et ce qui est émouvant aussi, ce sont ces portraits, toute cette collection d'objets uniques, quoi. Il n'y a qu'ici qu'on peut voir ça, on ne peut pas les voir ailleurs. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions et ça fait penser à tous ces vieux qui sont tombés à la guerre, quoi. Au champ de bataille, c'était pas facile. Ensuite, ils ont découvert les bombardements. Les bombardements éclatent de partout. Nous courons partout. Nous entendons un bruit, c'est une bombe. Nous ne savons pas où elle va tomber. Alors nous courons. Les bombes éclatent devant, derrière. Mais nous courons toujours. C'est un miracle. L'ONAC, l'Office national des anciens combattants, a lancé un concours. On lance d'ailleurs un concours depuis quelques années. Un concours national. Et ce concours a été relayé par la direction de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie. Et qui a proposé à certaines classes de CM1, à toutes les classes de Calédonie d'ailleurs, de CM1, CM2, d'écrire le carnet de guerre d'un poilu de la commune. J'en ai discuté avec mes élèves et on s'est lancé. Et on a d'ailleurs écrit un courrier au maire de Koumac pour avoir le nom, la liste des poilus de la commune. Et donc j'ai fait le choix de Victor Weiss.
par rapport à une trace de son histoire à lui, aux grottes de Koumak. Aux grottes de Koumak, on a une statue de la Vierge et c'est sa sœur qui s'était promise de mettre une statue de la Vierge s'il revenait sain et sauf de la guerre. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que justement les enfants connaissent cette Vierge et elle avait un rapport avec notre poilu. Et lui, et quand on l'a contacté, on était bien content d'ailleurs de tomber sur lui, quand on l'a contacté, il avait ses documents en sa possession. Donc il nous a beaucoup aidés pour écrire notre carnet de guerre. Et notre poilu, il est également un ancêtre de notre maire actuel de la commune, M. Wes Wilfried. Alors, ça n'a pas été facile de récupérer des documents ou des anecdotes, des documents écrits aussi, parce que ce poilu-là, comme nous l'a raconté M. Armand Wes, il n'a pas beaucoup parlé de la guerre parce qu'il avait beaucoup souffert à la guerre. Il n'en a pas beaucoup parlé à ses enfants, à ses petits-enfants. Donc c'était pas facile de récupérer les témoignages. Mais on en a récupéré quelques-uns et puis on a fait beaucoup de recherches sur Internet aussi. Et les enfants se sont beaucoup investis, ça nous a pris quelques mois quand même dans l'année. Et une fois qu'on avait terminé ce livre, ce carnet de guerre, on a invité la famille de notre poilu à venir en classe. Et les enfants ont présenté le carnet de guerre. Ça a été une séance un peu très émouvante parce que de revoir et d'entendre les témoignages, parce que certains membres de la famille n'avaient jamais entendu ce grand-père ou ce grand-père ou ce père parler de ce qu'il avait vécu. Et ça a été très, très, très émouvant. École Charles Mermoud de Koumak. La classe est représentée par l'élève Romain Kosek et par son professeur Madame Marie-Claire Mounesara. Monsieur Guédarari va remettre le trophée en réception. Dans un concours qui est né en 2006, c'est toujours la transmission. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de mémoire oubliée. Veillez à ce que les générations passantes, le fait que nous n'ayons plus de poilus, que cette mémoire soit une mémoire qui continue à faire, à irriguer, j'allais dire, ce qu'est notre présent, mais en même temps la construction de notre avenir. Et ça passe par ce travail. Ça passe par ce travail qui est fait avec un succès formidable. Le double de participation par rapport à l'année dernière. 540 classes. L'idée que pour la première fois, non seulement la France hexagonale, métropolitaine, soit concernée, mais tous les départements et territoires d'outre-mer. Et en particulier, j'étais en Nouvelle-Calédonie au mois de décembre dernier, j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer ces jeunes qui avaient travaillé sur ces questions. Et quand je posais la question en aparté aux enseignants ou aux enfants, est-ce que vous avez pris plaisir à faire ça? Ils ont pris plaisir. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu dans le détail les prix, beaucoup ont travaillé sur une proximité. Les héros de leur département, de leur ville, de leur commune, parce que le premier conflit mondial, il a concerné toutes les familles. Les familles, quelles aient été les familles du front, au contact premier, les familles de l'arrière, mais aussi toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont trouvés versés dans la guerre, dans l'horreur de cette guerre, même à 20 000 km de la France métropolitaine et qui sont venus donner leur jeunesse ou leur vie. Donc voilà, je me dis que c'est un beau résultat et en plus ils seront reçus demain à l'Élysée par le président de la République le 11 novembre, ce qui donne une force et un sens à cette mémoire collective. Je me dis que c'est une belle aventure pour eux et en même temps une belle leçon pour nous. Tout le monde a reçu un prix et les premiers, les deuxièmes et les troisièmes, et ben, demain recevront un prix de François Hollande. Je suis contente. On a eu un appareil photo avec un CD et une carte SD. Juste des livres, un livre sur la Grande Guerre et deux livres aussi sur la guerre. Oui, alors oui, c'est la remise des prix, c'était très émouvant. C'est un grand cadeau, quoi. Et puis de revoir, oui, il avait dit... Il avait oublié d'ailleurs que c'était moi.
Il avait dit je suis passé en Nouvelle-Calédonie l'année dernière, puis je lui ai dit c'était nous. Et oui, c'était vous à la fois. Mais oui, monsieur. Et puis voilà, félicitations, puis merci d'être venu de si loin aussi. Bien Marie-Claire Monet-Farah, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, vous êtes venue sur ce plateau pour nous parler de votre séjour à Paris, pour nous parler aussi de ce prix que vous avez gagné, ce concours que vous avez gagné, les petits artistes de la mémoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours ? L'idée de ce concours est née à la suite d'un stage. À la suite d'un stage organisé par la DANC, la Direction d'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Et on avait, durant ce stage, un module Histoire, Géographie, Éducation civique. Et M. Delessert nous a parlé de ce concours. Donc en rentrant, après le stage, je me suis inscrite au concours. C'est quoi ce concours ? Alors le concours, il est lancé tous les ans depuis 2006 par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Et c'est un concours national. Il a été relayé par la DANC en 2012. Et depuis, tous les ans, des écoles de Nouvelle-Calédonie y participent. L'objectif, c'est donc de réaliser un carnet d'un ancien combattant, c'est ça ? Le carnet de guerre d'un poilu de la commune, de sa commune. Voilà, donc vous avez choisi Victor Weiss. Comment vous avez donc choisi ce personnage ? Et surtout, quand vous l'avez annoncé à la classe, quelle a été la réaction ? Alors d'abord, on a fait un sondage dans la classe pour savoir si un des élèves avait un ancêtre, un poilu qui avait fait la guerre de 14. Et il s'est trouvé qu'aucun des élèves de la classe n'avait de grand-père ou d'arrière-grand-père qui avait fait la guerre de 14. Donc ce qu'on a fait, on a fait un courrier au maire de Comac, M. Wilfried Vess, qui nous a envoyé une liste de poilus de la commune. Alors pourquoi Victor Vess ? Parce qu'à Comac, il y a une statue, une vierge à Comac, qui est en lien avec l'histoire de ce poilu. Qui est justement aux grottes de Comac. Et j'avais envie. Alors, on a choisi celui-ci parce que justement, cet endroit-là parlait aux enfants et ça permettait de faire le lien avec le carnet de guerre et tout notre travail, tout le travail qu'on allait produire. Combien ça vous a pris de temps pour réaliser ce carnet de guerre ? Ça nous a pris 5 mois. 5 mois, et au bout des 5 mois, tout de suite, on vous a dit félicitations, vous avez gagné le prix académique ? Alors, au bout des 5 mois, il y a eu un premier jury à Nouméa. Et il y avait 3 classes. 3 classes ont participé à ce concours. Et nous avons été les lauréats de ce concours. Et en fin d'année, au mois de novembre, on a eu la visite de M. Kader Arif, qui était ministre à l'époque des anciens combattants, qui est venu nous remettre des prix pour la classe. Donc ça, c'était premier prix. Et quelques mois c'est ça ? Je savais justement, puisque M. Astakov, qui est directeur de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants de Nouméa, m'avait déjà dit que notre carnet de guerre devait partir à Paris pour passer devant un jury. Donc on a fini l'année. Et puis on s'est quitté, puisque les élèves, ils étaient en CM2 et ils sont tous allés au collège de Comac. Et cette année-là, en 2014, l'année dernière, j'ai reçu un appel téléphonique de M. Astakov qui me dit Marie-Claire, dans le cadre de la commémoration de la guerre de 14, vous êtes invité, un élève et toi, à venir à Paris. Donc là, ça a été. Et là, la réaction J'en revenais pas. J'en revenais pas, c'était trop beau. Et puis, on ne s'y attendait pas, je ne m'y attendais pas. Il m'avait dit, je vous appellerai Marie-Claire pour vous dire si vous avez un prix ou pas et tout ça. Mais je ne pensais pas qu'on allait faire le déplacement. Mais mes élèves, déjà en 2013, m'avaient dit, maîtresse, ce serait bien qu'on accompagne notre livre, qu'on aille jusqu'à Paris, puisque je leur avais dit que le livre allait jusqu'à Paris. Et puis c'est resté comme ça. Et donc, je les ai réunis à nouveau et je leur ai annoncé la bonne nouvelle.
Et donc là, vous avez annoncé la bonne nouvelle et puis il a fallu aussi choisir un représentant pour la classe. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, j'imagine que ça n'a pas été facile. Oui, au départ, ce n'était pas très clair parce qu'au départ, on pensait justement pouvoir emmener deux ou trois élèves de la classe. Et puis M. Astakov m'a dit non, ce n'est pas possible parce que toutes les académies de métropole viennent, chaque représentant avec un élève de la classe. Donc il a fallu faire un choix et ça n'a pas été facile. Et comment facile. Ça s'est passé? Donc il a fallu réfléchir et tout. Et puis j'ai fini par faire le tirage au sort. Et du coup, et donc, c'est Romain Kosek qui m'a accompagné. Et donc du coup, c'est Romain qui est parti avec vous à Paris. Alors Romain, il connaissait déjà un peu la France, mais vous, Paris, vraiment la capitale, c'était une première, c'était la découverte. C'était une découverte, oui. Une découverte, j'étais emballée, j'avais hâte d'y aller. Et en plus, j'avais pris des contacts puisque j'ai deux nièces qui sont à Paris, qui habitent en métropole, qui ne sont pas à Paris même, mais qui habitent en métropole et qui ont pu nous rejoindre et passer quelques journées avec nous. Alors, il y a eu aussi un autre événement majeur aussi de cette aventure, c'est l'Élysée, la présentation le 11 novembre avec le président de la République. Comment vous avez ressenti, vécu ce moment? Oui, c'était particulier parce que tous les ans, depuis 2006, depuis que le concours est ouvert, le président reçoit les lauréats à l'Élysée. Mais là, cette année, c'était particulier puisque on fêtait le centenaire de la guerre. Donc il a invité 30 classes quand même. Oui, une trentaine de classes. Les lauréats des différentes académies. Donc nous, on était partis en représentant la Nouvelle-Calédonie, l'Académie de Nouméa. Et oui, c'était l'Élysée, je veux dire, on voit souvent à la télé. Et là, on y était, quoi. C'était magique. Et de voir le président aussi, et d'être dans cette salle particulière, quoi. Parce que c'est des images qu'on voit. Et là, on était assis, on écoutait le président de la République faire son discours. C'était assez fort. Avant de revenir et de continuer l'aventure à Paris, moi j'aimerais revenir pour vous, quel a été le moment le plus marquant de cette aventure? Vous m'avez dit, c'est peut-être pas non plus l'Élysée, il y en a eu d'autres. Le moment le plus fort pour moi, ça a été Notre-Dame de Lorette, parce que là on a été en présence des anciens combattants. Il y avait beaucoup de militaires et c'était vraiment l'ambiance de la guerre, quoi. Le président a fait son discours, il a rallumé la flamme. C'était magique ce lieu et c'est un endroit où on a justement le nom de tous ces morts pour la guerre. Mais ça a été un moment fort, celui-ci et puis celui de l'Arc de Triomphe aussi. Qu'on va voir tout à l'heure. Mais juste avant de partir en aventure en images, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment vous avez ressenti Romain, comment vous avez trouvé Romain sur place. Est-ce que c'était un bon représentant de la classe? C'était un très très bon représentant de la classe. À chaque fois qu'il pouvait, il parlait aux journalistes à l'Élysée. On a même perdu du temps parce qu'un journaliste l'a arrêté pour lui poser des questions. Il a bien parlé de ce concours, de la classe, d'où on venait et tout. Et puis, il était super excité. Hein. Il découvrait tout. Et j'ai bien aimé partager ces moments avec lui. Il a été dynamique. Il m'a bien aidé aussi, puisque c'était la première fois que je faisais un si long voyage. Moi, les métros et tout ça, je ne connais pas. Je ne sais pas comment. Je ne connaissais pas comment ça fonctionnait. Se débrouiller Mais sous la capitale. On a vraiment partagé de bons moments ensemble. Est-ce que vous trouvez que ce genre de voyage, c'est utile pour les jeunes et pourquoi? Oui, c'est très utile pour les jeunes. Ça permet de sortir de chez soi déjà, de voir du monde et puis de faire des rencontres, et de grandir. Ce qui a été dommage, c'est qu'on n'ait pas pu partager tous ces moments avec les autres élèves de la classe. Ce qui a été ce voyage a été bien aussi parce qu'on est passé par, on a visité des endroits qu'on ne connaissait pas d'ailleurs. Mes deux nièces qui sont installées en métropole ont passé des journées avec nous et sont allées dans des endroits où elles n'étaient jamais allées. Donc la tour Eiffel, elles ne sont jamais montées. Et il y a des endroits, la maison de la Nouvelle-Calédonie par exemple, qui nous a beaucoup aidés aussi, qui nous a pris en charge deux jours, eh ben, elles ne connaissaient pas et là on a été accueillis comme des rois, quoi. Ah oui, par M. Viratel et toute son équipe. Et Mme Binozzi d'ailleurs, qui nous a beaucoup, tout au long de ces jours, qui a partagé tous les moments avec nous
et qui nous a beaucoup aidés aussi. Donc voilà, merci à vous et à vos élèves pour nous avoir fait découvrir ce concours. Et bien sûr, merci pour avoir contribué à la réalisation de cette série de documentaires que nous présentons sur NCTV, bien sûr. Merci aussi pour nous avoir fait découvrir les coulisses de ce projet et de cette aventure. Quant à nous, eh bien, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Grand Angle. Nous reviendrons à cette occasion sur la cérémonie du 11 novembre en présence de François Hollande. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.